de recommandations à l'autorité compétente et qui est capable d'aider à couper cette violence qui m'a connu école avec violation de droits humains dans le pays d'Haïti. En effet, Haïti a connu une crise multidimensionnelle sans précédent qui écarte le devoir maman loi paysan qui est placé. Sauti sous appareil politique et administratif, tombé sous institutions publiques, nous sommes capables de que l'effondrement de l'État et c'est l'on bagay qui a poursuivi route li sans brique, sans foin. Et malgré moi juin, moi mai, t'es marqué par arrivée tout Kenyan, t'es marqué par installation conseil présidentiel, là, nous toujours dans la même situation. Les nouveaux j'ai gardé qui j'en dois la vie t'ayer pendant 6 premiers mois année 2024 là. Nous gardons que la vie semblait pas gain valer encore. Et l'État a pris responsabilité pour garantir droit à la vie du peuple haïtien. Il y a une vague violence qui sans pareil, qui marquée par assassinat, incendie, pillage, tuerie, et qui fait que citoyens paisibles persistent victimes de violence gang. Et malheureusement, policiers autour n'ont pas épargné de vague insécurité. Ça qui est plus récent, c'est assassinat 3 policiers dans le mois 18 et 9 juin qui se passait. En total, il y a une trentaine de policiers qui sont bandits, tués depuis le commencement de l'année 2024. En gros, Défenseur Plus monitoré pour 6 premiers mois de l'année 2024 et plus passé 600 personnes qui mourent dans insécurité a. Et puis passer une dizaine de journalistes victimes dans la manifestation. Et parmi eux, nous avons cité Jean-Marc Jean qui malheureusement perdit Grangel. Pour fonctionnement système judiciaire, 6 premiers mois année 2024 marqués par une série de crises. Plusieurs cas d'évasion spectaculaire, les n'a gardé que deux gros prisons pays d'Haïti et Yo Sibi attaque gang. Dans la nuit qui était 2 mars 2024, il y a environ 4000 prisonniers qui évadaient dans la pénitentiaire et 1400 autres dans la prison civile pour des bouquets. Les nous sortis de l'évasion spectaculaire, ça nous tombé dans la continuité grève et personnel judiciaire. Entre menace grève que collectif magistrat de boulot fait, à mise en exécution grève que greffier a réussi à faire, nous avons dit système judiciaire malheureusement a fonctionné par intermittence et faut que nous rappelons que grève ça a inscrit dans le cadre pour demander meilleures conditions de travail. Et pour certification judiciaire, et suite à la dernière opération de certification que CSPJ mettait sous pied, il y a 30 juges qui certifiaient et il y a 12 autres qui excluent du système judiciaire et 18 autres qui demandaient une enquête plus poussée. Il faut que nous rappelions tout, il y a 8 juges qui ont nommé dans le tribunal de première instance. En gros, nous sommes capables de dire que le système judiciaire haïtien au bord du dysfonctionnement et toujours pas arrivé à répondre de manière efficace et efficiente à l'attente de la population en matière de justice et de sécurité. Merci. Quand ça y est, nous regardons le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, nous sommes capables de dire que 6 mois pendant l'année, c'est un droit qui est totalement bafoué. Côté 1, question du nombre de jours de classe par exemple respecté. Soit plus passer 3 mois à l'école, perdit. Sur le département de l'Ouest avec la Tibonite. Deuxièmement, nous constatons un peu l'école pillée, vandalisée. C'est cadre pour l'école Fresneau, c'est cadre pour le collège Bird, c'est cadre pour le séminaire collège Saint-Martial, pour citer ça seulement. Donc l'école, ça y est, pillée, vandalisée, yo attaqué par des bandits et des armées. En pile l'école, tout est arrivé à fermer porte, soit plus passer 900, soit dans le fin mois janvier. Ça qui n'a pas empêché plus passer 200 000 personnes, eh bien, est arrivé à une pleine instruction. Et après attaque grecier, il y a un pile l'école encore tout qui a fermé, ça qui a augmenté chiffre ça.
Et il faut que nous disions que l'enseignement supérieur a tout frappé dans la violation du droit à ça, du droit à l'éducation dans le pays. En côté que, en pile faculté, surtout dans l'État, ils ont pillé, vandalisé, attaqué. C'est qu'à faculté de médecine et de pharmacie, c'est qu'à école. C'est qu'à ENAT, École nationale des arts, c'est qu'à faculté des sciences, c'est qu'à pour école et faculté d'agronomie qui pillent, vandalisent, blasent. Dans ça qui est pour avec droit pour manger, droit à l'alimentation, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dépisté plus passé 30 000 personnes de moins 5 années qui souffrent de malnutrition dans le pays. De l'autre côté, CNSA, et il fait un rapport pour qu'il y ait plus de 5 millions d'Haïtiens qui ont une insécurité alimentaire. Ça veut dire droit pour manger est totalement bafoué pendant 6 premiers mois pour l'année. Droit à la santé, mais encore, c'est une catastrophe pour que en plus l'hôpital attaqué, pillé, vandalisé. C'est quand on pour l'hôpital général, l'hôpital français, l'hôpital de Sucio, c'est pour ça qu'on cite ça seulement. Alors, pour des tours, la crise qui a valu dans le pays, c'est la cause en pile pharmacie et était boulée, soit qui pillait tout. Et bien, dans ce sens-là, comme conséquence, il y a une crise et médicaments dans le pays, pour des gens en pile monde, soit qui souffrent de cœur, soit de tension, il y a des problèmes pour jouer des médicaments, et comme ça doit. Droit du monde. Droit du monde, c'est un droit qui est totalement bafoué, totalement violé pendant 6 premiers mois pendant l'année 2024. Là. Et il faut que nous disions, et la crise qui est aussi nous déplacer, le principal et premier monde qui est victime, c'est le monde. Droit de femme. Ça qui est avec droit de femme, c'est une catastrophe totale. Droit de femme actif, pas suspendu, violé dans le pays pendant 6 premiers mois l'année 2024. Là. Et le cas qui est récent et qui est marquant, c'est 29 mars, côté que. Bandi a examen entré dans un camp qui c'est gymnase Vincent. Il y a deux timons, côté de l'un 3 ans, l'un 12 ans, ils ont violé les timons. Donc, défenseur plus, il condamne Zach Sayo et demande l'État pour prendre responsabilité. Dans ce qui est pour avec les gens qui sont déplacés dans le pays, le droit des migrants, il faut qu'on dise qu'ils sont déplacés internes et il y a des migrants, les gens qui sont déplacés, ils sont déportés dans des conditions et qui ne répondent pas à la loi du tout. Dans ce qui est pour avec et déplacés internes, selon OIM, il y a plus de 678 000 personnes dans le pays, surtout le département l'Ouest avec la Tibonite qui est déplacé. Dans ce qui est pour avec l'immigration externe, c'est une catastrophe pour dire que, surtout dans la République dominicaine, le déporté AICO, par pile, par paquet, dans mauvaises conditions, voyez là, dans conditions par rapport à la loi. Merci un peu. Conseil autorité concerné pour des solutions. Parmi les recommandations, ça y est, 1. Défenseur plus mandé pour autorité pour renforcer la capacité du système judiciaire pour permettre plus de monde et droit et accès à la justice. Il mandé autorité pour mettre des stratégies en place pour renforcer la présence de la police dans les zones qui vraiment besoin de ça. Il mandé pour définir une politique publique efficace pour résoudre le problème de malnutrition dans le pays. Et il demande pour l'État mettre accent sur la situation haïtienne et haïtienne qui vivent dans leur pays. Surtout ça qui est en République dominicaine, pendant qu'il y a renforcé la diplomatie entre deux pays. Il demande pour l'État définir ou bien renforcer le problème et le programme éducatif là pour améliorer la qualité de l'éducation. Et l'État doit agir pour plus de monde joindre la santé dans le pays. Demande pour l'État profiter de l'aide force multinationale là pour aider la police nationale à craser foyer gang pour créer un climat de sécurité pour tout le monde capable de vivre en toute quiétude. L'État doit créer conditions en faveur des femmes et des gens qui peuvent permettre de vivre pleinement de droits. Ça, c'est quelques recommandations de Défenseur Plus fait à l'autorité concernée.